Bonsoir la rediff. Bon bah on est parti, on continue. C'est bon, t'as bientôt fini. Bof. On commence en 19. Ouais. J'attends pour le défi là. Le primordial. Ouais. Nikoto a sorti une vidéo sur l'extrême de le trou de balle là. Titania. Ouais, moi je. Je pense pas que je regarde des strats. Je ferai les primordiaux sans la des strats. Non mais sérieux, faut qu'ils arrêtent de vouloir nous faire raquer, vraiment. Ils sont trop chiants. De quoi ? Si vous ne le saviez pas, Warner Bros. Va aussi lancer sa plateforme de streaming sur le modèle, sur le même modèle que Amazon, Netflix et Disney+. D'accord. Sachant que je vais m'abonner à Disney+. Ok. Quand ça sera dispo. Bah parce qu'il y aura tous les Disney, il y aura tous les films Marvel, il y aura toutes les séries Disney, donc ils vont foutre toutes les séries Marvel. Et ils vont faire des nouvelles séries Marvel. Faire d'autres. Donc voilà. Amazon, j'étais tenté aussi pendant un temps, mais non. Tant pis. Je verrai si des fois il y a plus de séries qui m'intéressent plus tard. Pour l'instant. Voilà. Et donc, du coup, Warner Bros, ils vont sortir leur plateforme aussi. Et ces connards, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir une série sur l'univers d'Harry Potter. Voilà. Et comme le bon Yankee que je suis, si j'arrive pas à la trouver hors plateforme, bah je suis obligé de m'abonner. Non mais je verrai. Tu lis les cathétéries? Quête quoi? Une quête éthérée. C'est quelle? Avec les vents. Non. Parce que des fois, la cinématique et j'ai l'impression que c'est important, mais je regarde pas quand même. Moi, j'en revois, je passe tout. De toute façon, on aura des trucs ultra importants. Avec un univers aussi riche et grand que Harry Potter, ça aurait été dommage, parce que voir le combat entre Harry et Voldemort avec trois sorts différents, alors qu'il y en a tellement d'autres, voilà, on s'en lance un peu. Rictus Emperor, Rictus Emperor, Rictus Emperor, c'est bon Harry, on a compris. Spectro, Patronum. Ouais. En vrai, par contre, il y a un mec qui a dit si ça peut mieux traiter les romans. Sans les massacrer, l'adaptation du prisonnier d'Azkaban est quand même une grosse déception. Et ah voici, c'est marqué dans l'article. Ça, c'est un mec qui a pas lu l'article. C'est marqué que ça se passera avant. Donc, pas de question de reprendre les films, je sais pas trop quoi, ça se passera avant. S'ils vont pas faire un reboot de la série, ils vont pas faire un reboot de la licence en série. C'est quoi, les gens? Arrêtez. Ah, c'est bien, j'ai mis ça se passe avant, ouais. Il peut faire des trucs stylés. Bref, faut voir quelle période. Parce que le problème, c'est que juste avant, Bataille des Animaux Fantastiques, ils s'en occupent déjà. Il faudrait que ça soit encore avant. Ou alors, faudrait que ça soit entre les Animaux Fantastiques et Harry Potter. Oh, wow. Ce que je chiffrais surtout, c'est qu'ils montrent le quotidien des élèves, les trucs comme ça. Ou les parents d'Harry Potter. Genre vraiment. Le quotidien des élèves à Poudlard. Et genre leurs cours et tout, et qu'ils montent plein de sorts, tu vois. Parce qu'en vrai, des sorties, ils en ont pas assez. Ils montent vraiment pas beaucoup. Par rapport à tous ceux qui sont présents dans les livres, ils ont vraiment pas beaucoup. Ah, ici. Donc ça serait bien qu'ils en utilisent plein, tu vois. Genre que la magie, même si la magie, elle est quand même assez importante dans les films, mais là que c'est vraiment genre au cœur du truc.
tellement stylé. On a l'impression de regarder l'univers des livres. Ce serait vraiment ouf. Ouais. J'espère qu'ils vont réussir à faire ça. Bon, par contre, le défi, moins de 5 minutes, je suis à 6 minutes 8 ans. Ouais, le DPS aussi. Ouais, sauf qu'on a trouvé 2 tanks. On est 4 DPS, on a trouvé 2 tanks, il manque de vie. Bon, c'est le problème, c'est limite. Ouais, c'est pour ça, c'est parce que. Y a pas de parce que je joue pas heal. Pas parce que je joue DPS, parce que je joue pas heal. Même ouais, les tanks maintenant ils sont dans la merde pour trouver des groupes. Ah, moi pas trop. Enfin, dans la merde. Je dis pas que j'ai mis 40 minutes à trouver un truc, hein. Attention. Mais ils mettent pas moins de temps que nous quoi. Bah, une fois que j'ai fait. Voilà, par exemple, il y en a deux, ils instant. Attendent comme nous. Après, des fiches, je sais pas, mais bonjour. Moi je suis tranquille. Ah, mais je suis tranquille aussi, j'attends moins de 5 minutes en général. Mais là. Mais là, pour dire, on est, il y a deux tanks quoi. On est 4 DPS de tanks et on attend l'huile quoi. Attends, l'huile, il y en a que 3. Ouais, puis on peut cracher dessus apparemment. Normalement, ils ont peu fait de la merde hein, pour les jouer. Il y en a plein qui étaient main heal et bon, c'est chiant. Je suis étonné qu'ils en aient pas rajouté. Non. Peut-être plus tard. Donc là, c'est demandé. Enfin, tant qu'il heal, c'est demandé. Il va rajouter un tank, c'est bien, mais il va pas rajouter un heal aussi, tu vois, un peu plus dynamique. Peut-être plus tard, hein. A voir, hein. On va voir ce qu'on fait, hein. Mais peut-être plus tard dans l'extension. Je voulais live toute la soirée. Enfin, toute fin d'après-midi soirée, sauf que. Il y a un trou du cul qui va faire du basket. Ah, du coup, tu vas arrêter tout à l'heure. Bah, du coup, je fais une partie de live et puis je reviendrai tout à l'heure. Parce que non, moi, je suis plus. Ce soir, il a de la famille et du coup. Il va mort. De quelle heure à quelle heure? Là, je fais une partie, donc une heure. Après, bah, fonction de s'il y a du monde ou pas, je vais rester plus ou moins du temps. Je sais pas. On va dire, je reviens à 19h. Je sais rien. Ah, bah, moi, ce serait le moment où j'arrêterai. Génial. Et je reviendrai tard. D'accord. Je suis tout seul. Ah, désolé, je vais au cinéma donc. Explique. Exactement. En fait, moi proc, s'il vous plaît. Je vais commencer plus tôt, mais bon, je me suis levé tranquillement, je crois vers 11h, un truc comme ça. Je me suis levé vers 11h, j'ai lu un peu, j'ai mangé, j'ai regardé des vidéos, puis après, je me suis dit. Je live, genre il était 13h, je me suis dit, je vais liver, je fais ah non, vas-y, c'est l'heure de manger. Du coup, j'ai continué à regarder les vidéos, je fais ah tiens, je vais chier, je suis parti chier, j'ai pris ma douche, j'ai mangé. Et puis voilà. La perte de temps. C'est mais moi, je te rouge. Franchement, quand t'es arrivé, ça faisait pas longtemps que je jouais. C'est dans ce moment-là ça devait faire 20 minutes, même pas. J'ai fait un donjon, c'est tout. D'accord. Je suis connecté, j'ai fait un donjon, et c'est tout. C'est dans ce moment-là. Puis après, bah, depuis là, j'attends. Tu fais rien de tes journées quoi. Pourtant je me suis pas levé tard tu vois, mais j'ai attendu 16h pour jouer quoi, sans déconner. Moi je vais voir pour je sais pas, j'ai peut-être même arrêté de jouer avant. Comment ça? Bah. On va dire que ma mère elle a dit que je branlais rien là pour l'instant parce que ces derniers jours en gros c'est soit jouer FF soit jouer FF en fait. Je joue pas toute la journée FF mais en gros c'est soit je regarde des vidéos soit je joue FF quoi. Donc soit je vais aller me suivre. Du coup apparemment mon père il a râlé, il a dit que je foutais rien. Machin, alors que bon. Il a juste besoin de venir me demander hein. Il toujours à chaque fois quand il est venu me demander pour que je rende un service ou pour que je fasse des trucs, j'ai toujours accepté. Mais là, je sais pas, il a pas envie. Donc voilà. Donc il a été se plaindre à ma mère, et ma mère me l'a dit. Et du coup? Bah, du coup, je sais pas en fait. Bon, moi, je suis censé. Enfin, en gros, il voulait que je fasse des trucs à l'extérieur. Ah! Pour l'extérieur de la maison. Ah! J'allais dire que si tu es dedans ou dehors, c'est pareil, on s'en fout. Hein? Non, que je fasse des trucs pour ouais. La maison, quoi.
que bah... Le truc c'est qu'il dit ça, mais bon là il est pas là, et puis le temps que je me mette en route là... Bah, en fait le truc c'est que du coup, je sais pas si je le fais maintenant, s'il va continuer à râler ou pas. Et je sais pas, parce qu'en fait le truc c'est qu'aussi je pars tout à l'heure, donc dans tous les cas, que je commence à faire un truc maintenant, ça sert à rien. Parce que le truc qu'il me demande c'est assez long en plus, donc... Passer la tondeuse. Ah, apparemment, il y en a qui a dit « Enjoy the epicness ». Ok. On va voir, hein. Oh, la musique est stylée. Donc du coup, je vais peut-être faire juste le primordial et puis après, bah, je vais aller faire les trucs extérieurs. Je sais pas, je vais voir. Hein. Je sais pas. De fuck. Oh, c'est une blague. Faire quoi là? J'en peux plus de ces faits. Dans les cercles? J'en peux plus de ces faits, sans déconner! Je crois que les faits, c'est synonyme de FedEx, en fait. Au secours. Wesh, qu'est-ce qu'il fait? Oh! Ah! Génial! Ah. Alors, comment ça se passe? C'est parti. J'ai une minute, un sprint. Ah ouais. Ah d'accord. What the fuck? Oh, c'est dégueulasse. T'es sur le primordial? Je pense à quoi? Ah. What the fuck? Oh! Il est trop stylé! Il est trop stylé! Oh! Ah, oui, tu. Ah ouais, ah, ils ont mis le paquet, hein. Putain. Mais bon, j'ai réussi.
Arrête de me taper toi. Ok, il est trop sié. Il est trop sié. Genre tu. Bront il est facile hein. Oh ouais, ah non j'ai rien dit. Franchement. Il est facile hein. Vous êtes mort. Oh merde. Je savais pas. Je sais pas que ça faisait ça. C'est le deuxième ou le troisième prix mondial que tu fais? C'est le deuxième. Je vais pas regarder. Sud-est. Il est classe par contre. Il est vraiment ultra classe. J'ai cru comprendre. C'est la meilleure extension. Par contre, on me raise un jour ou ça se passe comment? Merci. Oh putain, il fait un raid buster au moment où je me ramène. Cinématique, doublé ou pas, je ne sais pas. J'ai pas l'impression. Oh putain, ça bug. Pourquoi il veut t'en calmer? C'est quoi ces trucs? On dirait des loutres. Oh putain, j'ai cru qu'on allait crever. Oh, il déconne des roues. Alors, au niveau des animations, il est trop sain. Oh, il est trop ciné. What the fuck? Bon, je comprends pas tout, hein, mais... En fait, il va être hardcore, je pense, en extrême. Ouais. Ouais. En fait, j'ai hâte d'être trop extrême, mais en même temps, j'ai pas du tout, tu vois. Genre, j'ai pas envie de finir l'histoire et tout. What the fuck? Oh putain, des os sur la gueule. Eh, il est pas facile en vrai. Hein. Pour les heals, il est pas facile. Hein. Putain, il enchaîne les mécaniques de ouf. Hein. Franchement, il enchaîne à mort les mécaniques. Hein. Pour du normal. Hein. Mais il est vraiment classe. Hein. Ce tap de monstre qu'ils ont fait.
Je fais le B? Ah, d'accord. On a qu'à lancer. Il est hyper classe. Il est pas dur en soi, mais il enchaîne à mort le mécanique. Je pense que pour les healers, c'est chaud. Et si il est comme ça, mais avec des mécaniques en plus, et encore plus de fréquence, je pense que pour les healers, il va être chaud en extrême. Sur le royaume des loutres bizarres. Oh putain, attends, les cinématiques qui vont suivre sont nombreux et cruciaux pour le développement de l'histoire. Ah, je te laisse. Fait donc. Est-ce qu'il y a un ventilateur à côté? Oui. Oui. Un petit parcours de jump. Alors comment je monte? Autre point volant. Hop. Ok, on recommence. Oh, je vais y arriver. Je n'arrêterai pas ce live tant que je n'aurai pas réussi. Voilà. Pourquoi j'attends pas de pouvoir voler? Pourquoi je m'embête à faire ça? Même question. Hop. Non, pas toi, on va y aller avec Osmo, tiens. Peut-être que j'arriverai mieux. Ça va rien changer. Oh là 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 là, j'ai envie d'être plus loin. Kirin, boum. Hop. Yes. Oh, what? Wait. On va atterrir. Il me reste combien? J'ai encore 3. Non, c'est là. J'ai encore 2 quêtes et il y en a 4. Je pourrais attendre en vrai. J'ai trop envie de le faire en sautant, ça. Je vais faire le parcours, c'est même pas possible, mais je vais le faire quand même. Oh, mais j'y arrive plus! C'est nul! Regarde! Je prends pas assez d'élan en fait. Ouh, ça va me saouler! C'est bon! Ok. Mais. Attends, je suis sûr que je peux monter là-dessus. Dis-moi que je peux monter là-dessus. Oh, c'est bon. Ok. On n'en parle plus, boum. Alors, j'aurais pu tout simplement y aller en volant, mais non. Il a fallu que... Je m'embête à y aller en sautant. Sud-est.
Ah, c'est pas loin. On verra après. Merde, je vais pas ouvrir ça. Bon, bah les gens à 18h, on arrête. Non, même un peu avant, genre... bah dans 1 heure, comme ça l'épisode sera un peu plus long. Hop, dans... ouais, dans 1 heure. Dans 1 heure, bah 1h30 de live, de vidéo, on s'arrêtera. Alors... D'accord, et c'est ici, là. On va faire un petit détour. Je vais faire un petit détour. Si on peut passer, c'est trop, on peut même pas passer. Il y a l'air d'avoir un chemin dans le mur. Allons choper ce vent. Je suis sûr on va y repasser, mais... ça me stresse. Donc, comme ça, on découvre une nouvelle zone. Non, même pas. Ici si on allait s'harmoniser rapidement. Allez, faisons ça. Les ruines, très sympa. Ça me fait penser un peu à... exilé cette zone. Enfin, exilé. C'est pas totalement exilé, c'est... arrière-pays dravanien. Oh, excellent. Allez. Parce qu'il y a un petit vent ici. Nord-est, oui, on va le choper vite fait aussi. On va bientôt être tranquille, on va pas envoler. Nord-est. Là, là, je t'ai vu. Je suis en train de me poser la question à quoi ressemblent les montures des primordiaux de cette extension. On continue avec la quête principale. Au moins on est harmonisé ici, s'il faut y aller on pourra se TP. Et puis il nous manque combien de vents? Je crois qu'il nous manque 3 vents. Plus 2 quêtes. Ouais, ça. Donc il nous restera 2 quêtes et 2 vents à faire après celui qu'on va faire. J'ai un peu peur qu'il soit là-haut, mais je crois que c'est un donjon là-haut, donc je sais pas. Ah quoi qu'il y a un chemin là. A mon avis, il y en a un au niveau du château, c'est sûr. Ah, il va m'attaquer. On paraît combien? On paraît rien. Ouais, bon. Il m'attaque clairement. Non, j'ai rien fait. Ah, je viens de penser, je vais bientôt avoir mon dash. Je vais bientôt avoir mon dash, les gens. Ça c'est cool. Ok. On va... on va changer de monture un peu. Qu'est-ce que j'ai comme monture? Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Qui changerait un peu là. Le Yold, ça fait ultra longtemps. On va dégager toi et on va y aller avec le Yold. Allez hop. Ça fait ultra longtemps que je suis pas monté sur un Yold. On va le monter un peu. Enfin, vous m'avez compris, pas, enfin voilà. Prochain avant atterri, il est où? Ah, il est à côté aussi. On va le choper, hein. On va aller le choper, les gens. On va juste tuer les... récupérer les pattes de mycose moisie. Ce sont des mycoses vaginales. C'est dégueulasse. Hop, ça dégage.
camp, je suppose. Au moins, c'est cool. Ça nous loot forcément. Ça, on est tranquille avec ça. J'ai hâte d'avoir tous mes sorts. Il y en a un. C'était quoi déjà? On a un méga sort. Oh, il est là. Il est là, il est là. Il y a deux sorts, je sais pas comment je vais utiliser, mais bon, on fera comme on peut. Il y en a Léa? Oui, il y en a Léa. Est-ce qu'on fait pas la Léa? Je suis bien chaud pour faire la Léa. La condition, c'est à moi l'épée, quoi. Et la condition, risquissat. Ah, mais est-ce que c'est pas ma jauge? Oh, je sais pas. Bon, allez, faisons un petit carnage. Boum! J'entends pas. J'ai invoqué mon chocobo. C'est un chute plus vite. C'est où? C'est là. Hop! Allez, c'est parti! C'est bordé, bordé. C'est cool, je ne tank pas. D'ailleurs, on a un tank avec nous. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'honneur là. Koneko. Koneko, t'as l'air d'être un paladin. On a fait une sorte magique. Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion. Allez, c'est magique. Ils sont pas paquets par contre, c'est pas cool. On est bon là, non? Là, on a encore une vague. Ah non, c'est bon. Ok. Allez, il y a un autre allié. On voulait juste s'amuser. Ah ouais, j'avais pas tilté, c'est les mecs qui ont fait uniquer. je voulais voir un truc. Ah oui, les aléas. Il nous reste combien à faire ici pour monter d'un rang? D'accord, j'avais fait que deux. j'avais fait que deux et la boussole. Sud-est. Ah bah on est à côté. On est juste à côté. Je le vois pas. Oh non! Non! Si, tu montes, tu montes. Bien sûr que tu montes. Oh putain. Punaise, pardon, excuse-moi. C'est un monstre en B ça, non? Ah non, c'est un monstre ici. Ah oui, il était caché derrière le rocher. Bon, il ne manque plus qu'avant, est-ce qu'on va le choper maintenant? Ça pourrait être... On sera tranquille comme ça, en plus on pourra se taper directement ici, donc je pense qu'on va faire ça. À l'ouest. Ah, donc là il est dans le château, clairement. Ah, il est peut-être en dessous du château. On va voir ça. Ah bon, la lanterne. Au secours. Mais ça fait pas de mal, tu vois. Un peu de lenteur, on profite de tout ça. Là, c'est magnifique. C'est super beau. J'adore. Sud-ouest. Ah, c'est là-haut. Putain, je fais le chemin pour rien. Je fais le chemin pour rien, les gens. Oh, putain. Non. Apparais, s'il te plaît. Vas-y, apparais. Je t'en supplie, apparais. Non, mais non, c'est juste au-dessus. Ah, c'est peut-être en dessous. C'est pas dit. D'ailleurs, j'aurais pu y aller en montant en dessous. Je sais pas réfléchi. À l'ouest. Bah non. C'est bien dommage. Il faut monter, bon attendez, on va y aller hein. Pas en dessous, ça ira beaucoup plus vite. Mais même sous les mers, c'est joli. Oh, regardez-moi ça. Ah, vas-y, on va suivre le chemin. On va suivre le chemin, je m'en fous. Il y a même un point d'observation, allez hop. On fait d'une pierre deux coups. Ça rapporte toujours un petit peu d'XP en plus, c'est cool. Hop. Vas-y, monte. On suit le chemin. Le chemin que nous traçons. Et là on monte. Et là c'est trop stylé. Ah non, ça marche pas. Oh la déception. On est où? On est où du coup?
Ok. Sprintons, allons ici. Essayons de grimper, mais à mon avis ça va être bloqué forcément, comme c'est un peu notre destination de primordial, et j'y pense qu'on va pas pouvoir grimper. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. Ah, quoique. Ah, j'ai rien dit. On est d'accord que c'est ici qu'il faut aller, hein. C'est ici que Titania est. Après, techniquement, c'est à l'intérieur, donc. On peut y faire un petit tour. Quand même. D'ailleurs, les 4 plus, il n'y en a pas d'autres. Je n'ai pas vu. Les XP ou pas? Non. Continuons de monter, hein, tranquillement. Hop, on devrait être juste à côté, là, au nord. On y est presque. Cette zone est magnifique. Magnifique, ma chérie. Hop. Allez, on chope ce vent. Et on n'en parle plus des vents de cette zone-là. Et avant de se TP, on va faire un petit plongeon, sinon c'est pas rigolo. Normalement, c'est bon. Oui. Wouhou! J'adore faire des sauts. Spoof. Ok, on se téléporte. On va peut-être y avoir une cinématique d'ailleurs. Avant de donner nos mycoses vaginales. Horrible. C'est horrible ce que je dis. Alors apporter nos mycoses et puis on verra bien ce qu'il nous demande après. Merde, carnet, attends. C'est quoi ça? Ah, c'est le truc de poisson. Cas d'exploration. Ok. Donc il y a tout ça. Voilà. Il y en a 45, Stormblood. Là, il y en a 20. 1962. Faudra qu'on le fasse, ça. Je le ferai un jour. En entier. Pour avoir le succès. On a les deux. Cool. Mais je vais pas changer de stuff tout de suite, hein, il me faut du 405 minimum. Ouhou. Bah allons lui rendre service. Ah ouais. On va réparer notre stuff d'ailleurs. Allons voir ce qu'il nous propose. Qu'est-ce qu'il va nous demander déjà d'abord? 395 toujours. Et ce sera la tête. Ouais, on verra bien. Hop, je m'affalie, allez hop. Je pense que vous allez moins m'entendre par contre du coup. J'en suis navré, mais...
Bon, ça va un petit peu mal au dos. J'en veux 3, ça faudra bien faire attention de lui en donner 3, sinon il va pas être content. Il va pas être content. Je dis pas que c'est au-dessus. Que j'ai déjà fait le parcours, c'est pas pour le refaire. Ah non, c'est pas. C'est pas là où je pensais. Hop. C'est juste en dessous. Ah non, c'est même pas là. Oh, je sais plus. Hop. C'est le petit dernier qui est. Qui est. Sur Antoine, non, il est ici, parfait. Ça m'évitera de grimper. Et voilà. Je vais enfin m'harmoniser avec mon stuff et je vais le changer. Bon, pas tout de suite, mais. Pas très longtemps, je pense. Non mais t'es sérieux? Oh. Félix. Alors. Voilà, il est là. Il est là. Fongipou. Quoi que vous éplez? Comment ça? Qu'est-ce que tu fais là, Mifia? Ah, que je vous épiais! J'ai mal lu. La musique, pas de musique? C'est bien tristoun? Il y a aussi un pseudo qui se traîne le cul. Hein. Au bordel. Non, mais on va pas encore aider un autre mec là. Oh bordel. Oui, tout à fait. Putain. Que du stuff que je veux pas.
meilleure extension. Il y a des Viera partout. Le rêve de Viera. Bon allez, allons faire je sais plus quoi là. C'est... Oh putain, c'est pas bon. Hop, on se pépé. Putain, niveau épicness, c'est... C'est la meilleure. Putain, ils ont fait un taf de ouf sur ces extensions, c'est vrai. Tiens, il est déjà 17h. C'est la vie. La. Arrêtez de me taper. Il y a plein de monde. Waouh, c'est quoi ce délire? Il y a des poules qui m'attaquent. Par des poules, s'il te plaît. On est pas dans Zelda. Oh. Comment tu peux ramasser des fioles d'encre invisibles? Telle est la question. Je sais pas. Et si c'est de l'encre qui est invisible, à quoi c'est ça sert? On en ressort. Ce sont les poules tranquilles. Bientôt Titania les gens. Je sais pas si on va le faire aujourd'hui. Je sais pas si on va avoir le temps. Je pense pas réserver un niveau cinématique, donc je m'arrêterai avant. Je ferai du secondaire entre. Au moment où il y aura Titania. Moi si on arrive à les deux. Ou alors je ferai la quête secondaire importante. La quête de classe. Et bon. Ah.
J'ai récupéré ce que je pouvais de mon côté. Je me mute. Ces numous-là ne sont pas commodes. Je suis heureuse qu'ils ne vous aient pas blessé. Merci. Je ne me suis pas souvent battue pour de vrai, alors j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Mais je suis contente d'avoir pu me rendre utile. Les autres Minfilia ont toujours rejoint l'armée Olmorienne pour lutter contre les Purgateurs. Mais moi, on m'a trouvée après la fin des combats. En plus, les gens d'Olmor ont décidé de m'enfermer pour éviter que je parte toute seule à la chasse. C'est pour ça que, quand Sancred m'a délivrée, je ne savais pas me battre, ou même me débrouiller toute seule en fait. Comme j'ai obtenu la même bénédiction que vous, Sancred disait que ce serait à moi d'exterminer les grands purgateurs si l'Exarque ne parvenait pas à vous faire venir ici. C'est la seule raison pour laquelle il m'a protégée tout ce temps, je suis sûre. En fait, il doit même me maudire à chaque fois qu'il me voit. J'y peux rien, moi, si je suis pas la vraie Minfilia. Il devait l'aimer comme sa propre famille, mais elle et moi, on n'est pas la même personne. Une fois, on est allés ensemble aux ruines de Naba à Saren, là où la prêtresse de la lumière a stoppé le déluge. Plus on s'approchait de l'endroit, plus j'avais l'impression que ma conscience s'effaçait. Je crois même avoir perdu connaissance un moment, tellement j'étais terrifiée. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé après ça. Je crois que la vraie Minfilia et Sancred ont eu une discussion, mais c'est très flou dans ma mémoire. Un peu comme les restes d'un rêve qu'on oublie au réveil. Il n'a rien voulu me dire, mais je sens bien qu'il s'inquiète depuis. En plus, dans ces moments, je ne peux rien faire pour le réconforter. Je n'apporte jamais que la misère aux gens que j'essaie d'aider. Le mieux, ce serait que la vraie Minfilia prenne ma place. J'ai déjà laissé sa voix me guider, et c'est grâce à elle si j'ai su comment vous trouver. En revanche, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle tenait tant à m'aiguiller vers vous. Peut-être qu'elle voulait vous transmettre un message? Non, c'est pas ça. C'était plutôt comme si... comme si elle voulait vous faire rencontrer quelqu'un de spécial. Ah, 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 qu'est-ce que c'est? Enfermé. Je m'ennuie. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Venez. Venez jouer avec moi. Qu'est-ce que c'était? Une illusion? On dirait que ça venait du château. Tenez, voilà ce que j'ai réussi à récupérer. Vous devriez les apporter au Numo. Moi, je vais prévenir Sancred et les autres. What the fuck? Ah, je vous ai dit qu'on était dans un jeu d'horreur, hein. What the fuck? Bon, bah, on a un gros dilemme avec Minfilia, enfin c'est... C'est soit Minfilia prend possession de son corps, soit elle disparaît, entre guillemets, à jamais. C'est... Ouh, c'est terrible. On n'aime pas trop, hein. De l'encre invisible pour rien dessiner.
sont les... Ah bah c'est les coupons. Pour la téléportation gratuite. S'il n'y a pas une quête secondaire. Je pense que là on va l'affronter. Hein. Il nous restait quoi? On a eu deux, trois items? Oh je sais même plus. S'il nous en fallait trois ou quatre, je sais plus s'il nous fallait. Ah ouais non, c'est pas tout de suite encore. C'est pas tout de suite. Normalement, une quête secondaire, on va pas nous amener faire. Je pense que. Enfin, de toute façon, je les ferai si je suis poteau. Je vais me prendre la tête maintenant. Je vais me remuer, je pense. Ah non. On parie combien qu'il a endormi, il va falloir le réveiller en disant ah c'est tôt, je sais pas quoi. Ah, parfait, j'ai bien fait des réveils comme ça, hop, je me TP directement, on n'en parle plus. De toute façon les coupons on l'utilisera quand il y aura 999, ça sera plus rentable. Mais c'est pas un foufou hein, d'avoir les trucs de TP là. Trois trucs de TP en plus, c'est pas la folie. C'est toi? Non, c'est toi. Non, c'est pas toi. C'est toi. Salut. C'est toi.
C'est parti, allons caresser les montures. Bon. J'ai vérifié qu'il n'y a toujours pas de 4 secondaires, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait plus là. Pour qu'on puisse voler. Ah. Faut le caresser. Je pensais qu'on pourrait le caresser directement, il n'y aura pas besoin de faire les mottes. C'est là. Hop. Très intéressant. On va voir l'autre monsieur. Bon, je pense qu'on va finir cette quête là et puis moi je vais y aller. Hop. On verra. Peut-être que j'en ferai une dernière, je ne sais pas. Hop. Tac, tac, boum. D'accord. On va voir Nimbus maintenant. Nimbus 2000. Il est là. Hop. Bon, je sais pas avec quoi on va le convaincre, mais bon, on va essayer de faire avec. Hein. Ah, on parle à l'orange. On va peut-être pas le convaincre tout de suite. Bon, on va s'arrêter là, les gens. On va s'arrêter là pour cet épisode, pour ce live aussi. Je reprendrai le live ce soir, si j'arrive à me connecter, bien sûr. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Prochain épisode, je pense qu'on affrontera Titania. Je sais pas trop où on en est. Là, on va avoir apparemment le quatrième truc sacré, la trésor sacré pour libérer Titania. Donc, je pense qu'on ne devrait pas tarder. J'ai très hâte de voir le combat, d'affronter, voilà quoi, j'ai très hâte de continuer. Je vous dis à dans 2 jours pour la rediff et pour le live, à tout à l'heure. Voilà. Allez, bye bye.